Salut tout le monde! Zurich est qualifié en demi-finale, Bienne est en vacances et trois séries sont encore indécises en National League dans les quarts de finale. Le playoff, c'est l'heure du 27e épisode de la saison 4 d'Overtime. Je suis Pascal Eberhardt et pour revenir sur l'actualité de ces derniers jours en playoff, je suis avec Jean-Philippe Presselwenger. Salut Jean-Philippe! Salut Pascal, bonjour à tous! Et en direct de notre régie, c'est Stéphane Rochette. Salut mon Stéphane! Salut les boys! Bon lundi! Ouais, lundi. on est retour à lundi. La semaine passée, c'était mardi. Ouais. La semaine prochaine, ce sera aussi un mardi. On le signale déjà. Faut réfléchir maintenant quel jour on est, parce que du hockey tous les jours, on n'a pas l'habitude. Hein. Ça nous sort de notre zone de confort. Tous les jours. Absolument. Et puis avant de nous lancer dans notre épisode du jour, je vous rappelle que vous pourrez retrouver la rediffusion cet après-midi en vidéo sur Facebook, sur YouTube et en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et à 18h30, si vous ne pouvez pas passer cette heure du midi avec nous sur MySports 1 avant les matchs du soir. On salue dans le chat Vladi, Kevin, Lionel, Steve, Marc et Thierry qui ont déjà écrit. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser celui-ci. Et puis on va commencer avec le HCBN, ensuite on partira sur les séries qui se jouent ce soir, c'est-à-dire Lausanne-Davos et Zug Bern, avant de conclure cette émission avec Fribourg contre Lugano. Messieurs, on se lance sur le bilan du HCBN. C'est parti. On fonce. HCBN qui est donc en vacances après une élimination 4-0, score du quatrième match et de la série contre Zurich. Les Biennois qui ont vécu une saison compliquée. J'ai un peu l'impression qu'on peut dire, Jean-Philippe, que la saison est enfin terminée. On a vu notamment Martin Scheininger très fatigué au moment des interviews. Oui et non. D'un côté, on entendait déjà les gens après le play-in. Le premier play-in, c'est le premier match contre Genève. On se dit ouais, puis si ça s'arrêtait maintenant, finalement. Puis ensuite, on est quand même en quart de finale. Bon, ok. Et finalement, quand tu dis que c'est enfin fini, oui. Mais d'un autre côté, je me dis qu'ils étaient tellement pas si loin que ça, pas si loin de Zurich que ça. Il y a plusieurs, à part peut-être le dernier match, tous les autres matchs, il y avait vraiment de quoi faire. Ils ont failli les bousculer à plusieurs reprises. Et quand on réfléchit dans ce sens-là, on se dit, on sort en quart de finale après une saison compliquée. Puis on peut aussi se dire, côté biennois, on a sauvé l'essentiel. On se souvient qu'à trois journées de la fin, et ça n'allait pas top. Ils ont été grattés un point contre Davos à domicile. Ils sont allés gagner. Ils ont gagné contre Lugano. Puis ils ont été gagnés à Genève. Et puis on se souvient que Langnau était à trois points. Cette 11e place est à trois points. Donc finalement, c'est pas une saison réussie, mais ça aurait pu être pire. Stéphane? Ouais, je pense que tout a été dit. C'est très bien résumé, Jean-Philippe, honnêtement. Ça aurait pu être pire. C'est vrai que c'est pas une saison réussie. Finalement, on accroche les playoffs, on perd encore honorablement contre Zurich. On se dit c'est une équipe plus forte. On n'était pas si loin. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même une remise en question qu'on devra se faire un petit peu du côté de Bienne. Parce que là, à part Tom Mainan, il n'y a aucun entraîneur que ça a marché. Hein. Je vous ai pas marché avec Lars Eilenberger. On a perdu Valentin Nussbaumer dans l'histoire, etc. Cette année, on va chercher un autre gars. Ça marche de nouveau pas avec les gars. On a failli perdre Delémont dans l'histoire, heureusement. Delémont avait failli partir sous d'autres cieux, ça aurait été catastrophique pour moi. Et là, je pense que Martin Scheininger doit aussi un peu se remettre en question. Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais là, il s'est planté sur Lars et puis sur l'entraîneur de cette année. Ça, c'est absolument clair. Il a pêché par excès de confiance en se disant « Ouais, bon, les gars vont rester. Il n'y a pas d'urgence à re-signer tout le monde. » Quand tu commences la saison avec autant de contrats qui arrivent à leur terme à la fin de l'année, on sait comment ça se passe dans le hockey suisse. Ça serait une année d'avance. Et puis, les gars commencent à trouver des options. Donc, on a un paquet de trucs qu'on a pas gérer comme il faut. Puis avec du recul, je pense qu'ils devront en prendre leur leçon. Oui, Bienne n'a peut-être pas autant de moyens financiers que d'autres clubs. Sur le stretch final, peut-être qu'ils ont perdu Quinsley ou Radger pour des raisons financières. On ne saura pas trop, mais ça aurait pu être géré, je pense, un peu différemment. Le choix de l'entraîneur n'était pas le bon. Il y avait déjà des red flags, des drapeaux rouges au mois d'août. On entendait déjà les gars se plaindre. Hein. Jean-Philippe, tu le sais, on sait, on entend toutes sortes de bruits. Les gars, ils parlent en off. Et on s'est dit ouf. Puis après ça, il y a eu les blessures. Puis on s'est dit, c'est peut-être à cause des blessures finalement. C'est peut-être pas à cause des entraîneurs. Puis ça va aller. Puis finalement, on a eu au constat que c'est pas allé. Donc là, devons mettre l'ouvrage sur le métier. Je tiens à dire, à du boulot. Et puis c'est la fin d'un cycle, je pense,
Again, l'équipe va changer drastiquement l'année prochaine. Tu as des bons Suisses qui arrivent en fin de carrière. On va aller chercher des jeunes. Donc, j'ai hâte de voir comment ce que sera l'identité de cette équipe-là. Mais il y a des erreurs certainement à ne pas refaire et puis une remise en question qui devrait être faite à tout côté. Sans se projeter trop loin dans l'avenir, mais tu parlais de ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça a toujours été la philosophie du HCBN. Ça va aller, on va trouver une solution. Ouais. Est-ce finalement on n'est pas à la fin aussi de ce cycle-là de se dire ça va aller? Non, moi je pense que c'est un peu sévère quelque part de tout mettre sur les épaules de Martin Steinegger sur l'erreur Non, du. je parlais plutôt de manière globale, plutôt que Steinegger, là. Ouais, je voulais Que juste ça va revenir aller. sur le Ah oui, fait ok, vas-y. que c'était le mauvais coach. Oui, manifestement, avec ce qui s'est passé, il y avait peut-être mieux à faire que Matti Kainen. Mais souvenez-vous, pendant la saison, Steph, tu te souviens, il y avait eu un moment, un changement de discours. Les gars disaient, oui, maintenant, on travaille dans le vestiaire. Non, non, on est tous dans le système. Maintenant, ça va mieux. Et puis C'est vrai. les blessés revenaient gentiment au jeu. Puis on se disait, ah ben tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut prendre. Finalement, ça n'a quand même pas pris. Mais je garde encore une petite gêne avant d'envoyer Matti Kainen au feu. Parce que quand on donne une équipe, puis que tu as un moment dans la saison où tu as 11 titulaires blessés. Je veux dire, tu peux mettre Dave King, tu peux mettre n'importe qui à la tête de cette équipe-là. C'est compliqué d'en faire façon. Mais je Mais. vois probablement. Moi, ce qui m'a juste dérangé dans l'histoire, c'est qu'on sait que quand tu arrives dans un pays, tu dois te faire un peu à la mentalité. Puis là, le gars, il a signé à Vienne. Il arrive en Suisse, une porte d'entrée en Suisse, on lui donne une chance. Puis le gars, il arrive, puis là, il prend deux gants à grippe. On va le dire clairement. Moi, j'aime beaucoup Schlepfer sur un quatrième bloc. Et puis j'aime beaucoup Noël Delémont, qui est quand même un joueur d'avenir. C'est deux gars qui ont une identité régionale très, très forte. Et on sait qu'en Suisse, les gens tiennent à ça, d'avoir des jeunes du cru, des jeunes talents, de faire jouer des gars. C'est important dans la mentalité des gens, dans les sponsors. On se vend comme étant un club familial, proche des gens, des petits sponsors, tout est sympa à Bienne. Et là, le gars, il arrive, il ne s'est pas imprégné, il n'a pas compris. Peut-être qu'il disait, ouais, peut-être que Delémont, ce n'était pas son genre de joueur, peut-être que Schlepfer, il ne l'aime pas trop, mais. Je trouve que le gars, il n'a pas usé non plus, à un moment donné, de diplomatie. Il a pris de front ces deux joueurs-là. Il s'est passé aussi des trucs à l'interne. Schlepfer a passé la saison en Martinique. Quand il a repris à la fin de la saison, Steinegger, il a ramené Schlepfer. Puis il a joué, puis il a fait des bons matchs. Ça ne sera jamais un gars de top 9 ou top 6, mais c'est un gars du club, c'est une identité. Et le gars, il ne s'est pas assoupli. Il ne s'est pas dit, bon, là. Lui, ça, c'est des gars du club. Je ne vais pas les prendre en grippe. Je vais travailler avec eux. Tormainen, quand Noah Delémont est revenu d'Amérique du Nord, hein, il était tout croche défensivement. Mais Tormainen, il s'est dit, attends, c'est un bon jeune, il a du talent, je vais travailler avec lui, je vais lui faire confiance. Oui, il va me faire des conneries. De temps en temps, je vais le rappeler à l'ordre, mais à travailler avec lui. Et là, l'autre est arrivé, non, non, moi, je ne l'aime pas. Non, non, moi, je ne l'aime pas, moi, je l'aime pas, je l'aime pas. Ben, ça affecte. Déjà, c'est un manque de jugement de sa part, je pense. C'est un manque de. Il ne s'est pas imprégné dans la culture. Puis après ça, ben, il y a des gars dans le vestiaire qui se sont dit, attends, mais tu fais quoi, le coach? Donc, c'est un ensemble de choses comme ça que je me dis, oui, peut-être qu'il a des qualités, certainement. Hein, il n'a pas une carrière pour rien. Mais là, il a manqué un peu de. Puis je pense que Steinegger aurait pu avoir un meeting avec lui en disant, là, tu ne peux pas faire ça. Là, s'il te plaît, là. À un moment Ah, il donné. y a un contre-exemple à tout ce que tu viens de dire, c'est Jérémy Bertschi, qui Ouais, ramène, qui lui, il il l'aimait l'aimait, ouais. bien, c'est un jeune Ouais. du cru, et puis ça fonctionne. Ouais. Il a joué avec Brunner, C'est il a ça. passé du centre à l'aile, il a été très utile, et je trouve qu'il a fait un step avec Matti Kainen, Oui. Bertschi. Ouais. Puis il a été un peu downgradé à la fin avec Steinegger dans les matchs Voilà. importants. Mais peu importe. Voilà. Donc, c'est des trucs. Moi, j'ai l'impression que ce gars-là, il est arrivé avec son idée. Puis j'ai dit, moi, c'est moi qui décide. C'est moi. Dans un club comme Bienne, tu peux peut-être pas arriver comme ça avec tes grands sabots. Puis dire tout. Je trouve que le gars, il a manqué un petit peu. Puis j'ai entendu des histoires internes. Puis je me dis, bon, OK, quand tu dis à des jeunes, tu joues pas ce soir, mais tu fais les sacs des autres. Ça, Ça, c'est il y va a, pas. y a, y Toi, a c'est pas 30 ans, terrible. 35 ans, on pouvait Ça faire ça. va pas. Tu peux pas faire ça. Puis il y a des vétérans qui ont dit non, ça va pas comme ça. C'est pas les jeunes qui vont faire nos sacs, là. Ouais. D'ailleurs, On est capable de faire nos sacs. Voilà. un Mais. vétéran, on va quand même dire juste un mot sur la carrière de Beat Forster. Oui, bah d'ailleurs, lui a dit qu'il aimait bien Matti Kainen. Ouais. Voilà. Alors, C'est peut-être le ça n'a seul. pas été comme ça tout le temps. Certains entraînements où il y a Ouais. des cannes qui n'ont pas fini en un seul morceau, et puis Hey. c'était pas à Exact. cause de Zamboni ou bien du responsable de la Exact. glace. Hein. C'est ça, on est d'accord. De Zamboni ou de la Zamboni. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Non, bon, écoute, c'est un monument du hockey sur Ouais. glace qui prend sa retraite. En même temps, à 41 ans, il n'allait pas non plus jouer encore. C'est pas Jaromír Jagr, il n'est pas joué jusqu'à 65 ans. Qu'on soit d'accord, une très belle carrière qui se termine. On a vu qu'il était vraiment très ému à la fin du match. Qu'il a eu énormément de peine à contenir ses émotions, alors qu'il voulait les contenir pour les garder un petit peu plus pour lui.
Ça n'a pas toujours été le joueur le plus apprécié des équipes adverses, mais à Bienne, il a eu un rôle de grand frère pour beaucoup de défenseurs. Tu parlais de Noah Dolémon tout à l'heure, oui. Stéphane. Il va rester aussi dans l'organisation pour justement s'occuper un petit peu des jeunes qui commencent leur carrière professionnelle, pour justement les aider à avoir les bonnes attitudes, les bonnes habitudes. Et là-dessus, Martin Steininger a été très bon justement dans la transition avec ce joueur-là. Il y a Fabien Luzier là, qui nous pose une question dans le chat. Bon, je te la pose à toi, Steph. Je te donne direct la patate chaude. Est-ce que tu penses que si, au moment où on a tous ces red flags de Matti Kainen, où ça joue pas, où ça colle pas avec le groupe, on avait tranché dans le vif, c'est pas tellement l'habitude du HC Bienne, tu l'as dit, non, mais ouais. Est-ce qu'on avait tranché dans le vif, est-ce que des gars comme Künzle seraient peut-être restés à Bienne plutôt que d'aller chercher fortune à Zoug? Peut-être. On le saura jamais. Évidemment, après ça, il y a les questions financières, il y a les questions voilà, le feeling, mais peut-être que certains joueurs, ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, on ne m'a pas offert de contrat cet été, on est en négociation, ça coince sur le salaire, j'ai des offres ailleurs, puis en plus, l'autre, il m'agace. Donc, ça aide pas les joueurs. Il n'y a pas que la finance. Si tu as un gars qui t'aime, beaucoup de joueurs avec Tom Heinen seraient restés parce qu'ils aimaient jouer pour lui, ils aimaient son style, ils aimaient sa façon de gérer. C'est un paquet de facteurs. L'entraîneur, c'en est un. Puis là, tu dis, bon, là, ça fait 10 fois qu'on le dit à Steininger que ça ne va pas, mais il s'entête, il garde. Ouais, mais il faut comprendre, les gars, au bout d'un moment, oui, c'est un facteur. Est-ce que ça aurait changé complètement dans certains cas? J'en sais rien. Il faut demander à Künzle. Et je sais que Künzle est un de ceux qui avaient beaucoup de tension avec l'entraîneur en début de saison. Il a même été mis de côté, sauf erreur, surnuméraire. Ouais. Oui, mais c'était juste après l'annonce de sa signature à Zoug aussi. Donc, il y a eu un timing. Ça aussi, dans le hockey suisse, on sait que c'est la réalité du hockey suisse que des joueurs partent ailleurs. Il faut que tu acceptes ça. Il ne faut pas que tu te dises, bah, j'ai fait une super offre, il a refusé. Alors lui, maintenant, tu peux pas faire. Moi, je pense que tu peux pas faire ça. Dans le hockey suisse, c'est comme ça. Il faut accepter ça. Les gars, ils partent. C'est business, quoi. Donc, c'est comme ça. Mais bon, ben, ça fait partie de toutes les tensions qu'il y a eu autour de l'équipe cette année. Peut-être que l'horoscope n'était pas bon pour le HC Bienne ces derniers mois, les astres pas alignés. C'est comme ça. Et c'est des cycles, il y a des choses. Et puis là, je pense qu'on va partir un nouveau cycle. Ça reste quand même une super ville de hockey. L'histoire est belle à Bienne en National League. Peut-être une équipe moins percutante l'année prochaine à voir. On va clore ainsi le chapitre HC Bienne. Bien évidemment, si on a des actualités pendant les prochains overtime sur le HC Bienne, également sur le Genève Servette, le HC Ajoie, on en parlera, mais on va plutôt se concentrer maintenant sur ce qui se passe sur la glace, sur les playoffs, et on va se tourner du côté de la série entre le Lausanne Hockey Club et le HC Davos. On a vu... Voilà, on est toujours sur le dernier match, hein, la dernière impression, un dernier match qui a... Elle n'a pas souri aux Lausannois et ils ont continué dans leur façon de jouer, c'est-à-dire mettre beaucoup de pucks au but, avoir beaucoup de pression sur l'adversaire, mais on a senti que Josh Holden avait un plan pour l'acte 4, il a réussi à l'appliquer avec ses joueurs, ça a marché, peu de tirs, 5 buts, et ensuite il y a eu quand même, comme le dit Lionel, un octogone sur la glace du stade de glace Davosien avec cette bagarre générale à 52e minute qui a résulté avec la blessure de Christian Nakuva. On a appris qu'il serait absent pour 10 semaines, ce qui veut dire quasiment une fin de saison pour lui. Des suspensions contre Almond, contre Beson, une amende contre Sekac, des pénalités de match rétroactives contre Glauser et Nordström. Ça a été un match assez compliqué avec énormément d'émotions dans cet acte 4 et pour l'instant c'est 2-2 dans cette série. Ouais, c'est 2-2. Moi, je suis pas persuadé, là, tout le monde dit sortez les gants de boxe, mettez un octogone à la Vaudoise Arena. Je suis pas persuadé que ça va se passer comme ça, parce que ça, tu peux pas avancer comme ça. Et je crois que là, ils sont pris une fois les pieds dans le tapis, ils sont partis là-dedans, mais je pense pas que ça arrivera encore. Il y aura de l'intensité, il y aura des chocs et tout, mais les pénalités, c'est tellement important dans ces matchs de play-off qui sont hyper serrés, qu'il suffit que les powerplays prennent le dessus et du coup, l'équipe qui est la moins disciplinée va perdre. Et du coup, je crois pas, je sais pas ce que t'en penses Stéphane, mais moi je vois plutôt un match intense, mais où les gens vont pas aller chercher des coups ou des trucs comme ça. Exactement. Souvent, j'ai toujours dit, hein, 2-3, les matchs 2-3-4 dans les séries, à chaque année, dans les matchs 2-3-4, ça éclate à un ou deux endroits. Là, tout à coup, il y a « wow ». À chaque année, moi, je l'ai vécu dans l'arbitrage, il y a des émotions, l'indiscipline, on veut marquer le territoire, etc. Puis après, quand on s'approche des matchs décisifs, là, on est un best of three, c'est la meilleure série, au meilleur des trois. On l'a vu dans la série hier à Fribourg.
jour, les joueurs, tout le monde s'est dit, attends, là, le message est clair, les gars, oui, les émotions, c'est bien, oui, marquer notre territoire, c'est bien, oui, défendre les coéquipiers, c'est bien, mais tu ne peux pas le faire n'importe comment. Et là, ça a dépassé les bornes, et ça arrive chaque année dans une série ou l'autre, ça arrive dans la série à samedi, et je ne pense pas, les joueurs ont très bien compris qu'ils ne peuvent pas refaire la même chose, des deux côtés, hein, il y a eu de l'indiscipline aussi des deux côtés, et tu ne peux pas... Tu peux pas espérer gagner comme ça. Donc, tu te sors toi-même de ta série, tu te mets en eau chaude. C'est peut-être pas la bonne façon. Et puis ce soir, ben, je pense que ça va être un match de hockey. Il y aura très peu de pénalités, comme à Fribourg hier soir. Ça va être, on va jouer au hockey. Comme tu as dit, powerplay, tu veux pas perdre. Personne veut faire perdre la série sur une pénalité bête ou trop d'émotion. Et tu as appris ta leçon. Puis là, c'est comme un wake-up, un petit rappel, une piqûre de rappel. Hey, les boys, c'est pas la bonne façon. Là. Et après ça, la bagarre, on peut l'analyser comme on veut. Donc, au début, ça part. Il y a Glauser et Nordstrom qui s'en sont donnés à cœur joie. OK. Un jeu de combat de boxe, d'ailleurs, entre les deux. Hein. À un moment, clairement, les deux étaient là. On continue pas. Ils communiquaient entre eux vraiment sur ce qu'il y aurait. Et au moment où ils étaient vraiment fatigués, ils se sont lâchés. Les juges de ligne n'ont aucune peine à les séparer. C'est ça. Bon, c'était correct. C'était fair comme combat. Je dis, c'est un combat, ça arrive. Et là, la Ligue a upgradé ça parce qu'ils ont jugé qu'il y avait eu trop de coups percutants à la tête. C'était trop violent. Moi, je suis assez d'accord que ça mérite 5 minutes plus mes conduites pour le match. Là, 2 plus 2, bon, après, c'est du jugement. Après ça, il y a un match de lutte entre Nakiva et Bozon. Hein, puis en tombant, ben, on le sait maintenant, Nakiva s'est blessé au genou. Et il y a eu ce punch extra de Bozon qui était... c'était vraiment pas nécessaire hein, d'en rajouter, le gars était par terre, c'est pas des scènes qu'on veut voir, et à juste titre, il a reçu une pénalité supplémentaire, et tout le monde se demandait pour combien de matchs il serait suspendu, etc. Ben, je pense que, comme je l'ai dit, c'est le rapport de l'arbitre qui a fait foi, et je pense que contrairement à ce qu'on a pu croire, il n'a pas été mis KO par le dernier coup de poing. Il n'a pas vraiment touché la cible le dernier coup de poing, semble-t-il, selon le rapport de l'arbitre, et si le Joe Roy se serait blessé au genou. Donc, c'est peut-être pour cette raison qu'on n'a pas rajouté à Bozon. Il a donné une pénalité, mais un match automatique parce qu'il a 2 méconduites pour le match. Il s'en sort bien, on va dire comme ça, ultimement. Il s'en sort assez bien, donc on ne pourra pas crier au complot anti-roman. Puis il a la même chose à Fribourg avec les sanctions qu'il y a eues. Ça a été assez soft pour Julien, correct pour Sorensen. Donc là, on ne peut pas dire que... Ah, Kenville, voilà, Kenville aussi, c'était clairement... Ouais. Hein. Parce que celui-là... C'était la pire. C'était une agression. Ouais, on est d'accord. Bref, c'est ça. Donc, et puis bon, si tu regardes ça, c'est 2 trucs. Bozon, c'est un match de lutte avec un coup de poing en trop. L'autre, c'est une bagarre traditionnelle. Et puis, il y a eu ses caches, le coup de genou qui était pas mal accidentel selon moi. Bon, il est responsable de ce qu'il a fait, mais il ne méritait pas de suspension. Bonne décision du juge unique, je pense. Et puis après ça, ben voilà, il y a le geste à Allman, je pense que c'est ça qui a fait un peu déborder. Mais évidemment, le fait que Nakiva reste sur la glace, blessure, on a l'impression que les KO, ça marque les esprits, puis tout le monde, on a une grande remise en question totale. Chaque année, c'est le même cirque. Et puis, le truc d'Allman à la fin, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait sur la glace à la fin? En connaissant le bonhomme, on sait qu'il est toujours à ça de faire le geste de trop, il est toujours limite. On sait que quand la pression... Et là, il fait ce geste-là. Évidemment, il ne chope pas directement contre la tête avec l'épaule, mais dans l'idée, ce n'était pas terrible, franchement. Ouais. Et c'est pas encore tombé. Je peux dire pourquoi est-ce qu'il était sur la glace. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus ses catchs, il n'y avait plus Boson. Et tout d'un coup, il n'y avait plus beaucoup de monde sur le banc. Il y avait de la place sur le banc lausannois à la fin du match. Si tu veux pas qu'il y ait de bagarre, tu mets Holdener, Rochette et puis Joe, c'est que tu n'y arriveras à rien. Il n'y a personne qui va aller faire un coup dangereux. Après ça, est-ce que Ward était dans sa mentalité nord-américaine de dire « je vais mettre mes tough guys » Comme ça, si ça part, Rochette ne va pas ramasser une square et puis Holdener non plus. Là en face, il n'y avait pas non plus des tough guys sur la glace. Donc voilà. Après ça, c'est moi, j'ai une impression. Je me dis qu'on aurait peut-être pu éviter ça parce qu'on perd Allemagne peut-être pour 1, peut-être pour 2, pour 3. C'est quand même un centre de 4 qui a un certain rôle. On peut s'en passer sur un match, mais ça a quand même une conséquence. Sans Bozon et sans Allemagne, ça change un petit peu la donne. Surtout que ça va changer. Il est important aussi aux engagements. Hein. Il en gagne beaucoup, surtout dans la zone défensive. Il est très bon là. Et là, comment on va faire? Moi, je disais, ça va changer la dynamique. Il y a une dynamique qui était très positive depuis plusieurs semaines maintenant. C'est cette ligne avec Bozon, Raphaël et Jaeger au centre. Ouais. Celle-là, Jeff Ward ne l'a quasiment jamais touchée. Depuis le retour de Raphaël, il ne bouge pas cette ligne-là. Il a dû la toucher parce que Bozon a été renvoyé. Oui, mais voilà, mais c'est ce que je dis. Pendant 52 minutes de jeu à l'acte 4, c'est la seule ligne qui n'a pas bougé. Après le renvoi de ses catchs au vestiaire, Almond est monté avec Ria et Fuchs, et Fuchs a fait double shift sur la quatrième ligne. Ouais, ben alors voilà, maintenant t'enlèves deux titulaires,
Alors, c'est plutôt dans le compartiment défensif, hein, dans le jeu défensif que je suis un peu plus sceptique sur qui va pouvoir remplacer ça. Mais si t'es bien, enfin voilà, je veux dire, Là, tu Jaeger. montres qui là? Uglis suspendu aussi, n'oublions pas. Ouais, mais il y a Uglis, Kenins qui est dispo. là, qu'est-ce que est-ce Il y que a est-ce que Kenins, vous est-ce que Fourer, Leonardo Fourer et Kenins, je crois. il y a bon, ouais, c'est Et ça. puis Il il y y a, il y a a, Apala, et puis il y a Kovac. Pala qui Kovac, mais eux sont son numéraire. Donc au niveau des étrangers, c'est pas Ça possible. C'est un changera gros rien. Bougro. Pas Bougro puis Memento, je pense pas. Bougro. Est-ce que parce que là, si on met Kenins, par exemple, imaginez qu'ils mettent Kenins sur la 3 ce soir. Alors, tu es obligé de rentrer un autre gars sur la 4 au centre. Alors, est-ce que tu mets Bougro qui a joué au centre en Swiss League toute l'année, mais si tout d'un coup tu le lances dans la mêlée. Moi, Leonardo Führer, je suis bien gentil, mais c'est un gars de ligue, un gars de Swiss League de métier, manque de vitesse, je suis pas Ouais, puis sûr. il l'a Tu pris peux le mettre pour au quoi? centre sur la 4. Il l'a pris pour avoir un droitier Bon, sur le deuxième power play, ouais, c'est tout c'est quoi. ça, c'est ça. Puis honnêtement, moi, ça ne fait pas de sens de le rentrer. Je préférais Bougro, mais Ward, ouais, pour avoir, évidemment, je vois très attentivement les matchs de Lausanne. Souvent, quand il manquait le joueur de centre, on se demande pourquoi que je regarde les matchs de Lausanne. Mais quand les matchs où Allemand n'a pas été là, souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné à trois lignes et demie. Ça veut dire que Suomela allait au centre de la 4 de temps en temps, Théo allait au centre de la 4 de temps en temps, Fuchs allait au centre de la 4. Donc, on a tourné avec. Il y a Avec quatre gars qui quatre peuvent paires jouer au d'ailier, centre. quoi. Double Avec quatre shift, paires d'ailier et etc. puis Donc, la connaissance de centre qui. parce qu'il y a les face-offs, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc, on verra s'il veut lancer Bougro ou s'il va ou le mettre sur la feuille de match. Puis, à voir. Moi, je pense que les quatre que je viens de vous nommer qui peuvent jouer au centre vont peut-être aller de temps en temps au centre de la quatre ce Ouais, soir. À voir. il fera peut-être comme ça, c'est-à-dire avoir 12 attaquants et 8 défenseurs, et puis tourner avec un 13e attaquant qui est marqué comme dans la feuille de match en ligue 12, quoi. Ouais. Puis, à part ça. C'est catch quand il se fait sortir au début de la deuxième période. C'est la première fois de la série qu'il n'y a pas 13 attaquants. Bon, Uglie était suspendu, Ouais, c'est vrai. il est allé à 12-8. Comme devant l'heure, c'est ce fois-là que ça aurait été bien d'en avoir un 13e pour ne pas défaire parce que ça a décalé tout le monde toute la soirée. Donc ça Oui, a parce aussi que fait troubler. j'en ai parlé, mais c'est Salomaki qui a pris la place de C4 sur la première ligne. Ouais, c'est ça. Donc il a décalé. Et puis là, c'est donc voilà, ça te défait un petit peu toutes tes lignes. Un malheur, on n'arrive jamais seul. On va dire comme ça. Mais moi, pour résumer, je pense qu'on aura un match de hockey ce soir, un bon match de hockey. Là, ce soir, par contre, c'est Monsieur Hurleyman et Pikachu, arbitre, messieurs. Hey, Steph, en Ça, dehors c'est de. ça, c'est un scoop, hein, parce Ça... que c'est pas encore sur le site Non, de la mais, Ligue. non, mais Ah, là, c'est c'est un pas sûr, procès c'est pas. d'intention, ça, c'est un procès. Non, non, Laisse-les, ils seront hey, peut-être bons. Ils seront peut-être bons. mais c'est ça que je voulais dire, messieurs. Ça va, ça va, ça va D'accord. aller, ça va. Ils vont gérer ça tip-top. Puis tu mets qui au goal? Tu mets qui Hein? au goal à Lausanne? Ah, ça, c'est la grande Ah, tu question. vois? Parce que tu sors Hughes qui est à 75% après 52 minutes. Et puis Kevin Pash qui entre dans ses premiers playoffs Alors, de National bah League. écoute, le but qu'il a pris, Kevin Pash, il pourrait strictement rien Non, faire mais c'est après. pas une question de but, c'est une question de pression, c'est une question, t'es à la maison, Oui, yo, bien sûr. ce sera full house, t'es un match, si tu perds celui-là, puis que tu dois aller gagner à Davos, je veux dire, il y a de la pression, tu peux avoir toute la fraîcheur du monde, et puis une très jolie défense devant toi, costaud, bien organisé, ça reste quelque chose de spécial, en plus pour un gars Tout du à coin, fait. enfin. Oui. Bah Alors, écoute, Stéphane, je vais donner oui. mon avis en premier, ça te dérange pas? Vas-y, vas-y. Vas-y, parce Bah que écoute, peut-être tu vas me faire changer d'idée. Donc, vas-y. Hughes, sur la série, il a été très bon au match 1, un Ouais. petit peu moins bon au match 2, un petit peu moins bon au match 3, un petit peu moins bon au match 4. Donc peut-être c'est le moment de lancer Pash pour, non pas lui donner l'expérience, mais essayer de relancer la dynamique des gardiens du côté du Lausanne Hockey Club avec quelqu'un qui est frais dans la cage. Un peu comme l'avait fait Genève l'année passée en quart de finale après le match 3 contre Lugano, où ils avaient mis Maier au match 4 et ça avait permis de un peu tourner la série, même s'il avait perdu le match 4. Mais c'était que le match 4. Tapola a mis Ryderborn sur le banc hein, lors du match Exactement. 4 à Berne. Et Ouais. Vutriche a été Et excellent. puis on le Ouais. voit avec Lugano, avec Schlegel dans les buts aussi. Exactement. Moi, après le match de samedi, je l'ai dit en studio, je dis, moi, je pense que je vois gros comme une maison pache. Après, avec du recul, je me dis, est-ce que Ward a retiré Hughes pour le protéger, pour pas qu'il prenne l'eau, et puis dire, écoute, tu reviendras plus fort le prochain match, puis je mets pache? Ou il a mis Pash pour le préparer pour le match de lundi en disant, ben là, Hughes est au bout de sa chance et puis on met Pash. Moi, j'ai le feeling qu'il va mettre Pash, mais je ne gagerai pas ma chemise là-dessus. Pash a été très bon cette année sous pression quand on a eu besoin de lui. Il a réagi, il était frais, il s'est lancé dans la mêlée sans réfléchir. Peut-être qu'on espère ça de sa part, il a du talent. Parce que Hughes, j'ai l'impression que
Comme tu l'as dit très bien, Pascal, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a l'impression que Hughes était moins dominant. Et sur le dernier deux, match 2 et 3, j'ai l'impression plusieurs fois que le puck le frappait un peu par hasard. Puis, whoop, whoop, t'sais, il a joué un petit peu de chance, entre guillemets. Un gardien fait toujours sa chance. Hein, c'était bien positionné. Et puis là, ce match-là, clairement, le puck avait des yeux, le puck ne le frappait pas, la ligne bleue, voilà. Donc, peut-être que le coach, il se dit, on est au bout de ce qu'il peut faire, on y va avec Pache. Et puis Pache, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en lui parce qu'il a été très bon quand on a fait appel à lui durant Il a l'année. montré deux visages contre Davos. Il a blanchi le premier match qu'il a joué. Il a pris trois goals en trois tirs lors du deuxième match. Et les deux, c'était Ah à la oui, Vaudoise je Arena. m'excuse, c'est juste ça, c'est juste, ouais, mais bon, il fait Pendant qu'on trois est dans tirs les gardiens, parfaits pour Stéphane, lui. on a une question de Fabien, mais qui s'intéresse à l'autre cage. Est-ce que c'est Schliemann qui frustre les Lausannois? Mais clairement, clairement, Eschliman, il passe un peu en douce comme ça. Hein. C'est loin Davos, c'est loin de chez nous. Alors, on se dit, nous, on regarde qui? On regarde un peu Wüthrich, on regarde évidemment Béra, on regarde ce qui se passe à Lausanne dans les buts. On a regardé à Genève aussi, il y avait des grosses histoires avec ces trois C'est ça. gardiens. Et Eschliman, il fait sa saison. Excellent. Là, il est à 94%, je crois, plus de 94% dans ce match-là. Et il est sobre, il est rapide. Pour moi, c'est vraiment une assurance pour Davos. Et c'est un peu l'inverse. Là, c'est 34 sur 36 lors de la dernière partie. Et c'est le genre de gardien qui, si tout à coup, il y a une erreur défensive ou un mauvais placement, lui, avec son talent et puis son Va expérience réparer. maintenant, il va réussir à réparer. Et c'est ce genre de gardien-là que tu as besoin pour passer des séries. C'est Euh, ça. si tu n'as si t'as pas ça... Et je pense pas que, honnêtement, sans enlever du crédit aux qualités de Hughes et de Pache, je pense que Schliemann est clairement un cran au-dessus. Je pense aussi. Tout à fait d'accord. On l'a dit avant le début de la série que ça pourrait être un game changer. Il peut te voler une série à lui tout seul. D'ailleurs, si Davos a fait les playoffs, c'est en grande partie grâce à lui parce que je trouve que l'équipe de Davos est un peu moins bonne que celle de l'équipe de Lausanne. Si on regarde les joueurs de champ, mais je pense que dans le but, évidemment, tu l'as dit, c'est rien contre les gardiens de Lausanne, mais Non, lui, non. plus d'expérience, game changer. Il est très bon sur les clean shots. Les clean shots, il prend beaucoup de place, il est toujours bien placé. Il ne donne pas beaucoup de rebonds. Le nombre de fois, regardez, où le puck est un peu en dessous de son bras, pas vraiment dans les gants. Et puis, le puck revient pas comme une patte. Hughes a ce petit souci-là de souvent remettre des patates chaudes devant la cage, de ne pas bien maîtriser ses rebonds. Et Eschliman, sur des clean shots, tu vois, il la garde, il la met devant lui, puis il la bloque. Il n'y a pas de seconde chance de marquer. Ce n'est pas une panique à bord devant la cage où tout à coup, il peut arriver n'importe quoi. C'est calme, c'est serein. Par contre, quand il est en déplacement, regardez-le, c'est un gars qui bouge, qui Overstride. overslide souvent. Et puis, il est tellement, on le sent tellement, ça craint qu'on a l'impression qu'il se décale beaucoup. Donc, quand on le fait bouger, c'est là qu'on peut le battre un peu plus. Donc, Lausanne devra peut-être s'appliquer. Bon, ça, c'est de la théorie. C'est pas toujours facile. Là. Quand tu as un clean shot, ben, tu as un clean shot. Là. Tu vas pas faire une passe s'il n'y a pas de passe. Mais en le faisant bouger peut-être un petit peu plus, pourrait avoir du succès ben, en le feinter. Vous avez vu ce qu'il a fait sur Juice, l'arrêt qu'il a fait sur Juice. Je l'ai montré en studio. Là. Magnifique. Hein. Juice, tout seul, il arrive de la ligne bleue tout seul Ah, il face a à lui. sorti Il du essaie de but, mais contourner. Schliemann a fait l'arrêt. Il a poussé deux fois. Puis Juice était derrière la ligne de but. Là. Donc, excellent gardien. Et il fait le malheur de Lausanne parce que vous regardez le taux de réussite devant la cage de Lausanne. Il fait le malheur de Lausanne actuellement parce que Lausanne a eu trois breakaways ou quatre breakaways dans le dernier match. On a été maladroit. Raffle a raté la cage. Ria Ria a a raté tiré une la fois à cage. côté, une fois Une fois sur sur l'épaule, l'épaule. ouais. Ouais, donc, mais Lausanne doit marquer dans les playoffs. Tu dois la mettre au fond. Hein. C'est comme ça. C'est après à la fin de la journée, ça te prend de la réussite. Et puis, tu as beau dire, ouais, on a dominé. Les stats avancés sont pour nous. Mais Ouais, c'est clair. Hein. Les les stats avancés. expected goals sont clairement pour Lausanne sur ce quatrième match, mais ça, c'est pas ça qui te fait. Sur toute la série, on a d'ailleurs posé la question Ouais. à Josh Holland qui a dit, mais Lausanne a un gros Excellent. volume de tirs. Et Exact. tandis que nous, on essaie de tirer pour marquer. Enfin, il y a moins de tirs prétexte, on va dire, du côté d'Avosien. C'est en gros ce que disait Josh Holden. Nussbaumer a bien compris le truc. Hein. Oui. Ouais, ben, Nussbaumer, écoutez, on ne l'a pas beaucoup vu à 5 contre 5 dans cette série-là. Il a fait des points power play. Il a 6 tirs en 4 matchs, 2 buts. Donc, c'est sa moyenne de la saison, hein, 33%. Ouais, Et c'est puis, ça. Stransky non plus à 5 contre 5. Honnêtement, Nussbaumer et Stransky à 5 contre 5, on ne les a pratiquement pas vus. Ils jouent souvent contre la ligne de Jagr-Boson qu'on parlait tout à l'heure. Tu as parlé, Jean-Phi, qui font un bon Exactement. travail, Raffle. Donc, ils sont
À 5 contre 5, qui ne sont pas un facteur, honnêtement. On les voit, par contre, en powerplay, peuvent te faire mal. Stransky, ça devait arriver à un moment donné qu'il la mette dans le top. Elle est allée dans le top. Puis Nussbaumer, bon, le but qu'il marque, ce n'est pas un but important, mais il a le compas dans l'œil. Donc, ça leur prend pas 20 shoots pour en marquer 3-4. Donc, ça fait la différence. Hein. C'est à la fin de la journée, ça fait un an au tableau. Très bien, Stéphane. Donc, match 5 ce soir depuis la Vaudoise Arena. Ce sera sur MySports. Qu'est-ce que j'ai été? 2 pour être précis. Et puis, on va passer à la série entre Zoug et Berne. Une série là aussi à 2 partout. Il y a eu les deux larges succès Zougois. On a vu Tapola qui a décidé de changer son gardien lors de la défaite 1 à 6. Il a mis Wüthrich. Il a reconduit Wüthrich pour l'acte 4. Berne s'est imposé à la maison 3 à 2. Est-ce que la solution, messieurs, pour Berne, ça s'appellerait pas Philippe Wüthrich? Philippe Wüthrich, oui. Et puis la solution, moi, alors elle est dans le but. Là, il semble l'avoir plus ou moins trouvé. Même si Tapola, à la fin du match, quand on lui a dit, alors c'est bon, vous avez trouvé votre numéro 1, il a simplement répondu, à Berne, le numéro 1, c'est le gardien qui commence le prochain match. Ma réponse. Alors voilà, on n'en saura pas plus. On verra bien qui sera dans la cage demain soir. Ce soir. Pour revenir à la question, moi je pense que l'élément déclencheur qui peut jouer en faveur de Berne, c'est Kaun. Kaun qui marque 50 points en saison régulière et qui là est à 0 points en 4 matchs. Donc on peut donner du crédit aussi à la façon dont Zoug arrive à le maîtriser. Mais un joueur comme ça, qui a joué au centre, qui a ensuite remplacé Marco Lehmann à l'aile sur une ligne un peu plus rapide avec Baumgartner et Chervet, et qui n'arrive pas à la mettre au fond, j'ai un peu l'impression que si là il y a la bouteille de ketchup, ça peut fonctionner, quoi. Tu parles de bouteille de ketchup, alors je vais faire une référence que Stéphane va peut-être mieux comprendre parce que c'est très nord-américain. Est-ce que Marc Lutti ne devrait pas mettre la photo de Kaun sur une brique de lait? Ah ouais. On le On recherche, il est recherche où? Dominique Ouais, Kaun. on va aller, c'est ça, missing. On recherche, rechercher, dans nos objets perdus, on l'a trouvé. Mais effectivement, si Kaun ne fonctionne pas, mais malgré tout, c'est 2-2 dans la série. Donc, ça veut dire qu'on a mis beaucoup de focus sur Kaun, ce qui donne un petit peu plus d'espace aux autres. C'est toujours le même principe, hein. Quand tu as beaucoup de focus sur une ligne, ben, les autres peuvent en profiter, surtout à la maison quand les match-ups sont favorables. Mais effectivement, moi, je trouve que la réaction de Berne dans cette série-là, après la claque à Zoug, était magnifique. Honnêtement, ils ont réagi incroyable, grosse réaction. Et puis, on en avait parlé avant la série, Wüthrich, beaucoup plus à l'aise, visiblement, s'il n'est pas gardien numéro 1 avec toute la pression que ça comporte à Berne, un petit gars du club, etc. À Kreida-Bornes cette année, qui a pris la pression beaucoup sur lui en poste de deuxième gardien. Il a eu quand même pas mal de matchs comme deuxième gardien et il est beaucoup plus confortable dans ce siège-là, visiblement, parce qu'il a fait, bon, il a pris de la maturité, mais il fait de l'excellent travail. Puis c'est ce qu'on a dit au début de la série, on a dit Berne, comme Lausanne, a deux gardiens qui peuvent rentrer dans la mêlée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes en playoff. À la différence près que Ryder-Borne te coûte une licence. Oui. Oui, Mais c'est on ça. préfère l'avoir sur le banc. Mais il était backup, c'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. On préfère l'avoir sur le banc que d'envoyer Knight, le fantôme, sur la glace. C'est ce que Ah dit oui. d'ailleurs Right, Jonas. Le Nike. dit Kaun et Knight sont totalement transparents, contrairement aux étrangers de Zouk qui sont prolifiques. La différence risque de se faire sur ce détail. Oui. Oui, tout à fait. Moi, Knight, les gars, j'ai beaucoup de peine avec lui. Kaun, s'il va débloquer, voilà. Mais Knight, excusez-moi, là, mais je trouve ça épouvantable. Je veux dire, c'est un gros nom. Il a joué en KHL, il a fait des millions en KHL. C'est un super joueur, etc. Il a un CV qui parle pour lui, sauf que depuis qu'il est arrivé en Suisse, on dirait qu'il est en mode touriste. Défensivement, ça ne l'intéresse pas. Il patine pas. Il a été ralenti peut-être par des blessures qu'on ne connaît pas aussi, mais je ne trouve pas que son engagement est terrible, honnêtement, défensivement et tout. Oui, offensivement, tu vois qu'il est malin, hein, mais il change. Quand il est sur la glace, il apporte clairement pas assez. Et son engagement défensif est clairement insuffisant. Pour moi, ce joueur-là me déçoit énormément. C'est une de mes grandes déceptions de la saison, Corbin Knight. On l'attendait gros comme une maison, mais ce n'est pas arrivé. Mais là, Sevier est revenu aussi. Sevier a été ralenti par les blessures cette année. Sevier est beaucoup plus engagé, à mon avis, que Kaun dans cette équipe-là. Et Sevier, malgré sa grosse expérience et tout ça, on sent qu'il a du plaisir à jouer et qu'il se bat pour son équipe, contrairement à Et Corbin tu le vois des deux côtés, hein, devant les deux Knight. gardiens. Il sait Exact. le nom de son gardien, lui. Il connaît Exactement. la zone défensive. Ouais, c'est ça. Il a déjà visité la zone défensive, Il pourrait dire contrairement la à peinture Knight. qui a sur le masque de ses gardiens, Corbin Knight, lui, il sait pas. Non, ça, difficile. On parlait de suspension tout à l'heure. Il y aura deux absents ce soir, en tout cas, du côté de
de Zouk Bern. Il y aura Patrick Nemeth qui purge son deuxième match de suspension et il y aura Nico Gross. Stéphane, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi Nemeth il a pris deux matchs de suspension pour un sport. Je ne comprenais pas. On a découvert ça avant le studio de samedi. On a regardé les images avec Laurent Meunier. Puis j'ai dit, mais c'est un slow foot. Pourquoi slow foot deux matchs? Alors, slow foot, c'est automatique un match. En fait, c'est qu'on voit à la reprise que quand il, avec le haut du corps, quand il rabat Eder avec le haut du corps, le manche dépasse de ça. Puis le manche arrive au visage. Donc, il ne sort pas avec le bout du manche, mais il y a le manche au visage. C'est pour ça qu'Eder se balance en arrière aussi, parce qu'il sent qu'il y a la canne au visage. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là qu'on a mis un match supplémentaire qui a sorti le bout de la canne. Un détail qui m'avait échappé, honnêtement, c'est Laurent Meunier qui nous a dit, OK, on a compris. Je m'apprêtais à râler sur le juge unique une nouvelle fois. Et là, je dis, peut-être que j'ai manqué un détail. Ouais, Tapola, lui, avocat du juge unique. Tapola, à la fin du match 4, justement, il nous avait dit, parce que les clubs avaient déjà reçu l'information, je crois qu'elle nous est parvenue aux médias à 23h20, quelque chose comme c'est, ça. C'est bizarre aussi, ouais. Donc, Tapola, lui, était au courant que Nemeth allait encore manquer le match 5 et il était vraiment, vraiment fâché, parce que selon lui, il y a un boarding qui n'a pas été, sifflé contre Eder. Face à Nemeth, quelques secondes avant, où il est à un mètre de la bande, il est propulsé dedans. Effectivement, et là, il me dit, ouais, on veut protéger la santé des joueurs, mais regardez, là, on lève pas le bras, et puis on donne deux matchs pour un slow foot. Alors, je pense qu'il a peut-être pas vu la canne dans le visage. Mais enfin, voilà, ouais, mais il était remonté, notre ami. Moi, j'ai vu le truc sur Nemeth d'ailleurs. Pas sûr que ça méritait 5 minutes, là, honnêtement. Il est en train de tourner. Ça peut être deux, mais si tu donnes ces deux-là, l'action s'arrête, quoi. L'autre ne s'énerve pas, puis il ne veut pas se faire justice lui-même, effectivement. Puis il y a un autre truc qu'on a regardé. Ah ensemble. Oui, ça, c'est ça. Je vous ai montré ça, là. Bon, on va commencer par la suspension de Nico Gross, pour commencer, puisque je parlais des suspensions. Un match pour un cross-check à la nuque de Baumgartner qui a échappé aux arbitres. T'étais au match, Philippe ? Oui, j'étais au match. Toi-même, tu l'as pas vu ? Moi, je l'ai pas vu. Ouais, et puis, alors, je suis pas, on va pas dire que je suis la référence, hein, mais il y a par contre un monsieur Ritz qui, lui, l'a vu, et qui a découpé la séquence et puis qui l'a passé plus loin. Il y a Gross et Baumgartner qui s'échangent un petit peu des coups. On est au début du match. Hein, on est au début du match. Voilà. Quatrième minute. Quatrième minute. Gross est devant son gardien. Il y a un petit cross-check, même pas vraiment de quoi punir, mais il le repousse avec sa canne une fois, une deuxième fois, puis la troisième fois, Baumgartner prend de la vitesse pour aller chercher le puck derrière la cage et il veut y en remettre un. Malheureusement, je pense pas qu'il fait exprès, mais Baumgartner se baisse et puis il fait ça, le même geste, simplement que ça arrive à la hauteur du cou et que il est puni pour un match. Mon problème, c'est que la canne touche à hauteur du cou et l'arbitre, si vous regardez les images, est dans le coin à, qu'est-ce qu'on dit, 3 mètres. Ouais, 3 mètres de l'action et le puck est là. Donc on peut pas dire qu'on suit le puck ou qu'on... Qu'est-ce qu'il regarde ? Pourquoi il lève pas le bras à ce moment-là ? Ce n'est pas les arbitres que Stéphane a nommés pour le match ce soir du côté de Lausanne. C'était deux autres. Voilà, ok, on a une crosse dans le cou, ça va vite. Je sais qu'arbitrer, c'est pas facile. Mais. T'anticipes les commentaires là ? Non, mais je sais que c'est pas facile parce que hier soir, avec mon équipe de Beer League, c'est moi qui arbitrais. Et du coup, je remarque que déjà à ce petit niveau-là, il faut suivre quoi. Voilà. T'es toujours dans le chemin. Enfin, voilà. Il voulait aller à la vidéo, mais finalement. il a fait des 65 pouces. Non, mais il s'est rappelé qu'il y en avait pas. C'était deux équipes extrêmement sympathiques, dont les vétérans du HC Fleurier, si jamais ils nous écoutent. Bravo en tout cas pour tout ce qui s'est passé hier soir. On n'est pas là pour parler de ça. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on ne le voit pas. On le voit pas tout de suite. Voilà. C'est moi, ça, dans la tribune à 80 mètres, pas de problème. Mais quand t'es à 3 mètres et que c'est ton job, ben. Parce que ça change le match. Nico Gross est sorti du match. Bon, là, Bern a gagné, mais Nico Gross est sorti du match. Il joue 5 minutes à 4,45. Ça change toute la dynamique. C'est toujours la même chose. C'est ce qu'ils voulaient, les GM voulaient éviter. Le but de la révision vidéo, c'est qu'on ne se plante pas sur les 5 minutes. C'est qu'on aille contrôler. Et puis là, ben voilà, quand tu ne le vois pas, etc. Puis l'autre qu'on a vu tout à l'heure, que vous m'avez montré, messieurs, que je n'avais pas vu, honnêtement, c'est une charge tardive. Une charge à la. Joel Vermin a chargé Tim Ugly. Léon, Tim Ugly, tardivement en zone neutre devant le banc du Hug, l'a projeté contre la bande. Excusez-moi, là, mais si on a donné 5 minutes pour la charge contre Schlumpf, je pense,
dans le match 2. 2, ça mérite au moins 5, voire Ben plus. c'est Puis là, Coumer, ce dont tu parles, c'est Coumer qui envoie sur Schlumpf. sur Schlumpf. Ils avaient donné 5 pour aller voir la vidéo, ils sont revenus à 2. À 2, Et ok. puis là, personne ne lève le Bah, bras. au moins ils ont mis quelque chose. Non, non, Ils mais. avaient vu quelque chose et là aussi on a vu. Coumer, dans son choc face à Schlumpf, il ne saute pas, il ne vise pas la Ouais. tête, il arrive vraiment fort, vraiment vite. C'est un bon check, simplement que l'autre est à 1 mètre de la bande, puis c'est boarding, quoi, pas de problème. Bah là, c'est un peu la C'est même chose. En ça. plus, Vermine arrive blindside. Alors, Ouais, certes, c'était pas on cool. a regardé les images plusieurs fois, donc on a un petit peu biaisé aussi dans le fait qu'on les a regardés, contrairement aux arbitres. Mais Mowgli fait sa passe, se relâche un petit peu, donc il est aussi un petit peu coupable de pas s'attendre à être chargé alors qu'il est dans un endroit où il peut être chargé. Mais Vermine arrive blindside, l'arbitre n'est pas si loin de l'action de nouveau. Là, ça aurait mérité peut-être à 5 minutes avec révision vidéo pour prendre une Clairement. décision. 2 minutes, peut-être que Alors, ça aurait clairement, peut-être. moi, il y a matière à 5 minutes. Hein. Encore une fois, ça change le match parce que là, tu perds Vermine pour 5 minutes. Mettons qu'il donne 500 mecs match. Puis s'il donne 5 mecs match, ben, il est loin. Mais on sait que pour boarding, on peut donner 5 minutes tout seul. Souvent, c'est les arbitres, ils aiment bien donner ça parce qu'ils disent, ouais, bon. Et là, ça a rechangé la dynamique du match, encore une fois. Et là, on peut se poser la question, c'est pourtant le puck était là. Le joueur se débarrasse du puck comme arbitre. Tu le sais que quand un gars dompe le puck, il y a un autre qui vient, tu le sais qu'il peut y avoir une charge tardive, tu sais que le gars il va compléter, tu dois avoir l'œil là. Pour moi, il n'y a pas d'excuse d'avoir raté ça. C'est une évidence. Il y a au moins une pénalité. Ça, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de pénalité. Donc, il y a un bras qui doit être en l'air, clairement, et ça n'a pas été le cas. Ça va dans le trend de ce que Jean-Philippe a expliqué tout à l'heure, inexplicable. On Oui, conclut. Est-ce vas-y. que je peux vous proposer un petit quiz? Vas-y. Hein? Un Vas-y. joueur Je regarde pas bernois tes feuilles. qui a 4 matchs, 4, qui a joué les 4 matchs de ce quart de finale, 1 m 91, 104 kilos, un but et deux assists. C'est qui? Ça va mettre, C'est un ça doit être. défenseur, ça c'est sûr. C'est un défenseur. Et je pense que si tu nous Pardon. poses la question, que c'est pas un défenseur offensif. C'est juste. Donc il Ça n'y va en a être pas mon beaucoup. verre. Non. C'est Kinchi. C'est Kinchi. Ah Simon Kinchi oui. qui arrive de Kloten, on se dit tous, ok, il est surnuméraire à Kloten avec Fleming, il est surnuméraire avec Larry Mitchell, il joue plus un match. Engagé à Berne pour la fin de saison, il a même réussi à prolonger son entente. Et là, un but et deux assists contre Zoug, alors qu'il a, je crois, trois assists en quatre. Pas je crois, j'ai vérifié, 85 matchs de saison régulière avec Kloten, trois assists. Ma foi, Ça roule Tapola, faut lui donner du pour crédit, lui. hein. Oui, Il a puis l'œil. il avait marqué son dernier but en National League en 2015. Mais bon, il y a eu une grosse période où il a joué en Swiss League aussi. Mais ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'avait pas marqué Des fois, en National League. t'as les gars qui sont dans les bons papiers d'un coach. Ça marche pas du tout à quelque part, c'est l'enfer, ça va pas, puis tu arrives à l'autre place, puis l'autre décide qu'il t'aime. Et puis, boum, et tout à coup, tu as l'air tout à coup plus intelligent. J'ai fait une analyse sur lui d'ailleurs, Kinchi, dans une séquence dans le dernier studio où il y avait Bern Zouk, sur le match à Zouk. Il a supporté l'attaque à deux reprises. Deux reprises, il a donné un puck profondément, il a battu l'ailier qui était avec lui à la cage, obtenu un tir dangereux. Donc, oui, il y a un petit côté offensif, je me souviens de m'être dit, c'est Kinchi, j'ai regardé deux fois, c'est vraiment Kinchi. Ah ouais, c'est le Ah oui, c'est 41. vraiment lui. Alors, Et on n'a puis, pas l'habitude d'avoir en phase d'attaque. il a quoi, 13 minutes de temps de match, un peu de temps de jeu en moyenne. Il est surtout utilisé à 5 contre 5. Là, il a été dépanné à 4 contre 5 quand Nemeth n'était pas là. Et puis, bonne première passe. Il fait pas de fioriture. Il joue sain. Regardez un petit peu comment il joue si vous avez l'occasion. C'est récupération de puck dans un duel. Tout de suite, la tête est levée. Puis, boum, une passe. Il n'y a pas un coup de patin en trop. On garde pas le puck. Enfin, c'est vraiment Kinchinen, quoi. Ça veut dire que le coach a compris, il a dit, regarde, si tu veux jouer dans cette ligue-là, tu veux continuer à jouer en National League, c'est comme ça qu'il faut que tu joues. OK, coach. Mais des fois, ça prend ça. Un gars, il s'assoit avec, il explique deux, trois trucs, puis, ah, oh, on m'a jamais dit ça. OK, j'ai toujours essayé de jouer en dehors de mon ADN. Je joue selon tes forces, c'est ça. Tu joues selon tes forces, puis il faut que tu joues simple. Puis, si tu mets de la fioriture, tu vas pas y arriver. Je me demande quelque part si un gars comme Aurélien Marty pourrait pas avoir ce touch. Je ne sais pas, hein, mais. Avec le puck,
assez compliqué, Marty. Mais ça, c'est typiquement un gars, Aurélien Marty. On voit à Lausanne que Marty est dans les bons papiers du coach, il l'aime, puis il fait du bon boulot dans les capacités de Marty, dans son ADN. Il a compris comment il fallait jouer, puis le coach fait confiance. Contrairement à Yellowback, clairement, on voit qu'il ne figure pas dans les bons papiers de Ward pour X raison ou d'Anderson. Et c'est régulièrement lui qui est mis de côté, pas beaucoup de temps de glace, etc. Donc, des destins complètement différents. Donc, ça dépend toujours du feeling. Il y a des joueurs comme ça qui, voilà, que leur destin dépend aussi beaucoup de l'entraîneur qui décide de les utiliser ou pas. Parfait, on va passer à la dernière série qui nous intéresse, à savoir celle entre Fribourg et Lugano. Les Dragons qui ont repris les devants grâce à une victoire hier soir 1 à 0, blanchissage de Béra, but de Di Domenico en supériorité numérique. On parlait de changement de gardien, on a un petit peu évoqué tout à l'heure aussi. Il y a eu changement de gardien de la part de Gianni Nazzi qui a mis Schlegel pour le match 3, 4 et 5. Le nombre de buts marqués par Fribourg a drastiquement diminué. Hein. C'est le meilleur gardien actuellement, hein. Schlegel, si on regarde ses statistiques. Il a 1,32 buts en 3 matchs en moyenne. 95,74% d'arrêt, c'est 11% de plus que Koskinen dans les buts que sur les C'est deux beaucoup. premiers matchs. C'est beaucoup. Mais finalement, la question que je vais vous poser, est-ce que bah, ce sera chaud demain à la Condor Arena? Ça, on peut s'y attendre. Mais est-ce que Fribourg a repris l'avantage psychologique dans cette série? Bah oui, tu as un match de. Tu gagnes 3-2, oui. Tu gagnes 3-2, voilà, t'as moindre faux pas en face, c'est fini, quoi. Donc oui, je suis d'accord, mais je suis pas surpris par Schlegel, parce qu'il a été embêté par les blessures. Il revient, il est un peu plus frais que Koskinen. Il te prend pas une licence étrangère. Et puis, ses qualités, bah, ma foi, on les connaissait. Il a déjà eu de ces périodes où il était vraiment très bon. On peut aussi regarder côté fribourgeois. Di Domenico Marc, combien de fois on a entendu, oui, il faut aller les chatouiller, il faut aller sous les casques, etc. Et il bronche pas. Il bronche pas. Là, ça s'est un petit peu mis en route dans le troisième, quatrième et cinquième match. Ça change pas. Il a une fois été puni, je crois, il a pris une fois 2 minutes. Et c'était en même temps qu'un autre joueur. Et sinon, Didot se tient, on va dire. C'est Ouais, peut-être ça, une des à clés. Lugano, un petit peu, là, un petit peu peut-être les plans à Lugano, mais il joue du gros hockey, en tout cas. Lui, la step up, là, quand Sorensen était suspendu, vendredi, c'était. Ben, non, le match, pas vendredi, je suis mêlé d'un jour. Le match à Lugano, en tout cas, c'est le match 4 à Lugano, Bah oui, c'était le match vendredi, 5 à c'est. Lugano, il a été vraiment, vraiment très bon. Il a vraiment step up, triché beaucoup sur le côté offensif, mais ben, c'est Dido, c'est en ADN, etc. Il a été le meneur à l'attaque de son équipe parce que là, Berchi, on s'entend-tu que Berchi est en panne? Ça 16 matchs, 15 matchs qu'il n'a pas marqué. Julien n'a pas marqué depuis 12 matchs. Bon, Julien a moins de rôle, évidemment, il joue moins. On ne va pas le charger non plus. Mais Berchi n'arrive plus à marquer, même s'il amène l'énergie puis il amène autre chose à l'équipe. Et Dido a été le moteur à l'attaque de son équipe. Il a joué un excellent match hier soir, encore une fois. Il a marqué un superbe but en power play. Et voilà, on a besoin d'un Dido en forme pour. Tes meilleurs doivent être tes meilleurs. Et puis, il le fait avec brio actuellement. Sorensen a un petit peu, lui, il fait un petit écart de conduite, là. Puis, la marmite a sauté un petit peu à un match de suspension. Mais peut-être, des fois, je me dis, souvenez-vous que durant la saison, quand Dubé avait été chassé du match, Azug, Dubé, c'était un match conduit à la maison. En tout cas, ouais, il avait contre pété Zug, les ouais, c'est juste. plombs. Tout le monde s'était un peu énervé. Puis après, ils ont dit, ah! Ben, on a surréagi. Ça ne peut pas arriver. Ça a été un avertissement sans frais. Ça t'est arrivé, on ne va pas refaire. Lausanne, la même chose. Là, c'est un avertissement avec des frais, avec les suspensions quand même. Mais et puis, je pense que Fribourg a pris sa leçon de dire, ben là, Sorensen, tu ne peux pas faire ça. On a pris trop de pénalités, etc. Puis là, finalement, je pense qu'ils vont gagner la série. Je pense que ça a retourné peut-être un peu hier. Donc, ça serait peut-être. Il faut que ça t'arrive une fois pour dire non, mais non, on ne peut pas faire comme ça en play-off. Des fois, c'est des avertissements sans frais comme ça qui te permettent de statuer, de dire, hey, les gars, vous vous rendez compte, là, on ne peut pas être stupide comme ça, on ne peut pas surréagir, on ne peut pas être indiscipliné. Même si on est meilleur que Lugano, si on est indiscipliné, on va l'avoir de travers. Donc, c'est des avertissements comme ça, des trucs dans les playoffs qui arrivent. Et je pense que ça peut tourner en faveur de Fribourg. Par contre, on n'a pas résolu encore l'énigme Schlegel. Parce que hier, honnêtement, Lugano était. Fribourg n'a pas été bon dans son territoire en première période. Il était passif, rétif, beaucoup de nervosité. Là, je me suis dit, ça va être long, là. Ils vont finir par en prendre, là, parce que heureusement que Béra était là en première période. Mais deuxième, troisième période, Fribourg était de loin la meilleure équipe. Lugano fait un paquet d'erreurs.
Et puis, quand une équipe fait des erreurs comme ça contre Fribourg, en général, ils en ramassent toute une. Parce que Fribourg est tellement bon techniquement, tellement. Ils mettent des buts avec des wristers, des clean shots. Mais hier soir, hein, faut vous dire que Schlegel, là, il a fait des arrêts, mais ça aurait pu finir 5-6-0, 6-7-0, ce match-là. Honnêtement, hein. Si c'est Koskinen dans le but, avec tous les clean shots qu'il ramasse, les buts souvenez-vous des buts que Fribourg a marqués tôt dans la série. C'était assez loin, hein, mid-range et tout ça. Exact. Hein. Ben, tout ce que Koskinen n'a pas réussi à faire, ben, lui, Schlegel l'a fait. Puis il a frustré les Fribourgeois à plusieurs reprises, même de proche. Donc là, ils n'ont pas encore résolu l'énigme Schlegel, mais ils ont quand même gagné le match. Mais moi, je me suis dit, ils ont raté tellement d'occasions, Schlegel, ils ont tellement tenu dans le match que je me suis dit, Lugano va venir à contresens, on va marquer un petit but, on va égaliser, puis on va forcer la prolongation. Heureusement pour Fribourg, ce n'est pas arrivé, mais ils méritaient largement cette victoire-là là, sur l'ensemble du match. Il n'y a pas photo là-dessus. Si jamais, en parlant de Schlegel, je finis juste ça, c'est une petite anecdote parce que des gens se plaignaient qu'il y avait Dominique Schlegel, le juge de ligne, qui sifflait le match de Lugano et Lugano-Fribourg, et disait oh, regardez, c'est son frère et tout, c'est incroyable. En fait, non, ils ont 6 mois d'écart, c'est pas son frère, c'est même pas de la famille. Voilà, comme ça, on a réglé un problème. Dominique Schlegel et Niklas Schlegel sont pas de parenté. Jean-Jory nous dit la planche de bois avec Sanctro est meilleure que Koskinen. Voilà, juste pour terminer sur le chapitre gardien, on a eu deux questions. J'ai pas les. Désolé, elles ont été posées très tôt dans le chat, donc je n'ai pas les noms de ceux qui ont posé, mais c'est concernant Jacob Delarose. Ouais, c'est quoi alors ces questions? Bah, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Parce que... bah, il fait un bon job défensif, c'est aussi pour ça qu'on l'a en premier lieu, et ça ne me choque pas, moi, qu'il ne soit pas tout en haut de la liste des pointeurs en quart de finale de play-off quand tu dois contenir des gars comme Turca ou Fekar. Donc... bon, même si c'est plutôt Valzer qui a été mis là, mais souvent, ils ont visé cette ligne avec Delarose quand il joue à Lugano. Donc moi, je pense que tant qu'il va être là pour défendre, soutenir la défense derrière son but ou devant son but dans le slot pour éviter que les pucks arrivent à Berra, je pense qu'il remplit le contrat. Ouais, bon, Turcoff, on peut en parler aussi, il connaît une saison, pas une saison, il connaît une saison magnifique, mais il connaît des playoffs un petit peu plus compliqués. Donc comme tu l'as dit, Jean-Philippe, Valzer la ligne. La ligne de Valzer et York font un excellent travail avec Marchand là, contre eux notamment, et Delarose aussi. Donc, il n'arrive pas, Turcoff, à faire tout ce qu'il faisait durant la saison. Carr a été bon sur le match à Lugano. Marqué 3 buts, réactif, marqué des buts en powerplay. Mais c'est vrai que les meilleurs joueurs de Lugano ont de la peine à réaliser ce qu'ils ont réalisé dans le cours du championnat. C'est tout le bénéfice à donner, évidemment, à Fribourg-Gottéron qui fait un bon job pour les contrer. Puis, on l'avait dit, on l'avait identifié du côté de Lugano, si cette ligne-là ne performe pas, on ne surperforme pas, on ne fait pas des « wow » comme durant l'année, ben ça va être compliqué. Arcobello joue bien, Fazzini joue bien, mais ils n'arrivent pas à emballer le truc. Hein. Arcobello, ben, il attend beaucoup de power play, il ralentit, etc. Et puis les jeunes à Lugano, ben, c'est plus compliqué. Quatrième bloc, là, ils font pas, n'ont pas vraiment d'influence dans le match. Le match à Lugano, à chaque fois qu'ils ont, dans les premières parties de match, à chaque fois qu'ils étaient sur la glace, il y avait une chance de marquer pour Gottéron. Avec là, le coach, après, il n'a pas trop envie de t'envoyer sur la glace. Donc, je pense que moi, honnêtement, Fribourg m'a impressionné hier soir. Je les ai trouvés très bons. Je les ai trouvés passifs. En première période, un peu tendus, surtout dans leur zone. Et après ça, au fur et à mesure, l'exécution, encore une fois, moi, je m'impressionne, ils font des jeux à une vitesse, à haute vitesse, précis, mettre des pocs au filet, ils sont dangereux, il n'y a rien qui se passe en zone d'attaque, tout à coup, boum, ils te sortent une chance de marquer incroyable. Ça fait le secret de leur succès toute la saison. Ils sont beaux à avoir joué, en plus, honnêtement, à chaque fois, je me dis, waouh, tu sais, il y a des scènes qui c'est joli, c'est efficace. Et c'est joli, honnêtement. Ils jouent du gros hockey. Et moi, je pense que s'ils passent Lugano, ils peuvent aller loin. Ils peuvent rêver, à mon avis. Messieurs, je vais prendre encore la question de Gaëtan. Enfin, c'est plus une question-remarque. Lançons un énorme pavé dans la mare. Est-ce que notre capitaine, donc Julien Sprongard, pourrait devenir surnuméraire ou est-ce qu'on le met avec Bykov pour que ça clique? Ouais, je pense que... Écoute, il joue 10 minutes. Hein. 10 minutes, 10 minutes ou 0 minutes, ça change quand même. Évidemment, est-ce qu'on le mettrait surnuméraire pour mettre qui à la place? C'est ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que lui? Je veux dire, au final, c'est ça. C'est pas une question de dire, ok, il a ralenti, mais ça, on le sait, il a ralenti, pas de problème. Mais, je sais pas, si tu trouves une solution pour
Est-ce que tu arrives à prouver ou à te convaincre qu'il y a un joueur qui mérite plus que lui d'être sur la glace pour améliorer l'équipe, améliorer la performance de l'équipe? Alors oui, il faut le faire. Mais je suis pas persuadé que ce gars-là existe, quoi. Que ce Non, c'est soit. ça, exactement. C'est toujours la même chose. Les gens disent, ah, lui, il est pas bon. Ah, OK, mais tu le remplaces par qui? Tu en as un autre meilleur derrière? C'est toujours la même chose. Et moi, je pense que Julien, tu ne peux pas le sortir du line-up. C'est le capitaine. C'est l'âme de cette équipe. Tu peux pas jeter le gars comme ça. C'est une question de respect aussi. Puis il joue 10, il joue des fois 8, 9, 10, 12 minutes. Mais il ne coûte rien, là. Il ne fait pas de gaffe. Non. Il est pas débordé, il ne fait pas de Et... grosses gaffes, il ne prend pas de pénalité stupide. Tu dis, tout à coup, il va peut-être en sortir un, il va peut-être Ouais, je faire veux un dire, respect, il va peut-être en marquer un. son tir, il l'a encore devant le but. C'est Voilà, ça? tu le mets une fois en power play, il est en bonne. Il n'a pas besoin de 50 occasions pour C'est mettre une au ça? fond, donc. Puis lui et Bykov, ils ont eu des bonnes séquences hier soir, honnêtement, là. Non, moi, je pense que il n'y a pas un jeune qui peut faire mieux que lui ou quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Moi, je pense que dans son rôle, il a son rôle. Et puis, tu peux pas risquer non plus de perdre ton Ouais, puis vestiaire si tu n'as pas Julien. la deuxième partie de la question, de le Si on remettre appelle avec Bykov. Bykov, quand tu as des lignes qui fonctionnent, tu gagnes Ouais. 3-2 en quart de finale, tu vas essayer d'aller chercher le 4-2 à l'extérieur, c'est pas le Exact. moment d'essayer de Non. modifier tes trios. C'est que mon avis, hein, mais Oui, parce qu'ils ont voilà. fait un bon match hier soir. Encore une fois, en première période, un petit peu so-so, mais le reste du match. Lugano, combien de surnoms ils ont eu hier soir, les gars? Un. Un ou deux? Max, donc les gars, ils étaient solides, là. Ils n'ont rien donné. Et puis en attaque, ils ont été hyper dangereux tout le temps. Beaucoup de vitesse. Bertschy, même s'il n'a pas marqué, il a attaqué la cage. On a eu des tirs à bout portant. Et Sorensen ou Hallmark. Je vous dis, dans un bon soir où je suis le gardien de l'autre côté, juste correct, c'est 5-0, là. très discipliné aussi, hein. Ils ont appris Une de pénalité. une seule pénalité de toute la soirée. Je crois que c'est Yecker, hein, qui le relève encore à l'interview et ils veulent continuer dans ce trend-là. Ah, pas le choix. Ben, évidemment, la dernière ne sera pas facile à aller gagner à Lugano. Attendez-vous qu'il y aura une réaction de Lugano devant le public. Tu ne veux pas perdre à la maison, te faire éliminer. Mais je pense que Fribourg là, est sur le droit chemin. On le sait. On savait que ça allait être dur. Et, moi, Justement, je Stéphane, sens des bonnes vibrations. Jean-Philippe nous a piégé avec un quiz. Bah, je vous pose la question. On va faire un pronostic pour cette série. Match 7, oui ou non? Jean-Philippe. Ah non, non, une victoire certes d'un but, victoire d'un but à Lugano, et puis ça se termine avec fumigène et tout, quoi. Moi aussi, Stéphane. je pense aussi que ça va se terminer ce match 6 à Lugano. Moi, je pense que c'est fini pour Lugano. Bah moi, je pense que Lugano va trouver les ressources pour décrocher un septième match. Mais ça reste aussi très serré. Je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe, ça a joué sur des petits détails. Voilà pour cet épisode ce soir. Donc vous avez rendez-vous avec Zoukberne et Lausanne Davos. Zoukberne sera notre studio sur la Sports 1 Éléments Bleus à partir de 19h50. Attention à l'horaire. Demain, ce sera Lugano-Fribourg, 19h50 également. Mercredi, les actes 6, Davos-Lausanne et Berne-Zoug. Et jeudi, vous avez rendez-vous avec Overtime NHL. Et à partir du lundi 1er avril, les demi-finales, acte 7. Et peut-être un match Jeudi 7. ou samedi, peut-être. On Oui, verra. Et parce que puis. ça se joue samedi. Il faut savoir que c'est un septième match C'est dans samedi, les ouais, parce que. séries impliquant Berne et Lausanne. C'est samedi parce que c'est vendredi saint, hein, c'est ça? Exactement. Il ne faut pas se battre vendredi saint. Donc, Exactement. Et puis le prochain Overtime, c'est mardi 2 avril après l'acte 1. Des demi-finales midi sur Facebook, vous avez l'habitude. Merci à tous pour cette participation. Merci Jean-Philippe, merci Stéphane, merci le chat. Vous avez été de nouveau nombreux à écrire et c'est toujours très intéressant de vous lire, même si on répond pas à tout le monde. On vous souhaite une excellente fin de journée, d'excellents matchs ce soir et à bientôt pour le prochain Overtime. Ciao, Bye ciao, bye. bonne journée. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.